Hein? Les conditions aujourd'hui, ça devrait aller, météo. On dessine en tribune. Et maintenant, le soleil comme ça. Kevin Petzorosolo, der jüngste Starter der Tour auf der Alps 2021. Georg Steinhauser, J'étais content d'y être, j'avais fait le plus dur à être devant, donc voilà, j'étais content d'y être. Malheureusement, ça a duré pas assez longtemps parce que j'ai crevé au bout de peut-être 10 km après. Il n'y avait pas assez d'accélérateur pour le peloton, mais c'est frustrant parce que voilà, ça m'aurait fait plaisir d'être devant aujourd'hui. Hier. Peut-être un lapsus pour dire que ça vous ferait plaisir d'être devant aujourd'hui. Ouais, bien sûr. De toute façon, je vais essayer d'être devant. Hein, c'est le but. En début de course, j'ai un peu de jambes, donc il faut que j'en profite essayer tout simplement d'être devant pour pas subir dans le peloton. Ça veut dire que hier vous sentiez mieux physiquement, les douleurs étaient passées? Ouais, en début de course ça va, il y a pas trop de soucis là-dessus. Mais voilà, c'est au fur et à mesure des kilomètres que ça coince, donc voilà, c'est ça qui est vraiment frustrant de subir encore et voilà. Et cette étape, vous en parliez avant le Tour des Alpes, vous disiez que ça allait être décisif. Vous niez quel genre d'étape et de course vous voyez? Je pense qu'il y aura un peu une étape comme hier, une grosse bagarre pour l'échapper. Et après, une bagarre entre favoris, donc 4000 mètres de dénivelé sur 160 bornes, c'est quand même quelque chose, une belle étape de montagne, c'est des étapes qu'on a rarement, donc ça va être le premier 4000 en course cette année, donc ça va faire mal. Mais on s'attend quand même à une étape dure. L'école, vous les connaissez? Non, pas du tout, mais je les connais pas, mais voilà, c'est des cols qui sont durs et c'est des cols très durs. Ouais. Ouais. Tu as déjà choisi si les plans pour les Giro ont changé? Non, on n'a encore pas décidé, on n'a pas parlé, donc pour l'instant on va laisser. On va se donner du temps et laisser finir la course. D'ailleurs, on verra après la course.